script est très très long. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue YouTube, nous sommes toujours en live, twitch.tv/mrbboy45 évidemment. Et je suis avec un chat motivé. Il est quelle heure le chat là? Il est au moins 22h là, un truc comme ça. Il doit être 22h. Bref, je sais pas exactement quelle heure il est, mais il doit être 22h15, un truc comme ça. On est parti pour enregistrer cet épisode 4 de Alien Isolation. Vous pouvez le visionner si vous êtes en direct sur Twitch en 2K ou moins. Et vous pouvez le visionner sur YouTube en 2K. Et nous étions exactement ici même. On avait enfin rencontré le xénomorphe et ça sentait pas très très bon. D'ailleurs, on avait rencontré aussi notre ami juste ici qui est un robot. Mon nom et est ses Ripley. Yeux font très flipper. Amanda Ripley, j'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Ok. Ok, ok. Normalement, le son est très très bien réglé. À vous de me le confirmer, le chat. Je vous fais confiance. On a quelque chose ici. Rien. Oh, attendez. On a un petit truc là-haut, là. Rétablir le courant, comme d'hab, ça tu connais. Ok. On va passer par là. L'alien est chez moi. Appelle la police, hein, frérot. Faites confiance à nos lambdas. Toujours disponible, toujours à l'écoute et toujours à votre service. Oh, j'ai une allu, les gars. Nos synthétiques sont conçus dans la simplicité. Pas de situation d'émotion. Attendez, c'est pas l'alien, il se balade pas au calme là. De toute façon, on a vu des gens courir en vrai, donc. Je pense qu'on est large, non? Lambda. Bonsoir. Ok. Y a rien, pour l'instant, je suis un peu serein. Ok. Putain de soudeur. Eh, faut que je trouve ce soudeur ionique, c'est terrible, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. De toute façon, on fout tout, hein. Je vous l'ai dit, je regarde pas trop la carte. Déjà, flemme de comprendre et d'étudier une carte, les gars. Et c'est surtout que, bah, on l'a pas, parce que c'est une nouvelle zone. Ah, putain, mais des barres, il y a des robots qui se baladent au calme. Les robots, ils peuvent se faire arracher la gueule. Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? J'ai envie de vous tirer dessus. On contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber, je me trouverai un chemin. J'ai envie de lui tirer dessus. Oh non, hein. On va pas faire les fous, hein. On a d'autres ennemis. Je vous déconseille. Waouh, quoi? Répète un peu ça, robot. Répète. Dans la vie, tout va si vite que l'on peut très rapidement se sentir dépassé. Ouais, c'est vrai. Chez Sixon, nous gardons c'est toujours vrai. En tête que notre principal objectif... Ils ont raison, j'aurais pu me sentir dépassé. On fait pas les fous. Mais on est où, là? Eh, les gars, putain, c'est quoi, c'est terrible, là, ce qui se passe. On a fait 20 fois le tour du vaisseau. Hop, ça on prend. Alors, un détecteur, c'est une ok. Sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Ah, le fameux détecteur qu'on voyait dans tous les trailers. Êtes-vous perdu? Non, aucun problème. Ok. El famoso detectoro qu'on voyait dans tous les trailers. Ok, grâce à ça, je vais pouvoir choper le xénomorphe, c'est ça? Très bien. Ouais. Purificateur d'air, c'est en route. Éclairage, genre. Et là, genre, il n'y a plus d'éclairage? Toujours autant d'éclairage. Impeccable, ça marche bien. Hein, bon routeur, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Désactivation de la porte. Hugs. J'ai installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux aucun accident jusqu'à ce qu'on découvre ce qui cloche. Ok. Publié février 21-15. Notre but n'est pas de vous montrer un nouveau monde, mais de le découvrir avec vous. Chez nous à Sixon, toutes les nouvelles technologies. Ok. N'hésitez pas à mettre pause, hein, on va pas tout lire quand même. Ah, on a un audio. Si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas.
J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Ok. Accès à la porte. Forcer le mécanisme de la porte. Oh putain. Ah, les bâtards, c'est flou. Ils ont mis un... Ah, ils sont bons, hein. Ils sont bons, ils ont mis un flou et tout. Je suis dans le flou en ce moment. Quoi? Il y a un bail. Il y a un bail, les gars, non? Il y a un bail? Non? Ok. Bizarre. Il y a un bail à Dubaï? Balade là. Il y a rien au radar, mais si, je vois un trait en haut du radar. On découvrira par nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est celui-là, chier? J'ai pas fait ça pour le tétanos. Qu'est-ce que c'est que cette barre là? Cette fucking bourse. C'est l'objectif? C'est quoi la barre tout en haut de l'écran et là quand je tourne elle est en bas maintenant? Ah, c'est l'objectif! Trop bien, c'est très bien ça! Très bien, bon, on va continuer de découvrir par nous-mêmes. Ok. Schéma émetteur de son. Je risque des problèmes si je mets la radio, c'est juste pour apaiser les mœurs. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un nouveau truc? Ça vient de sortir ou quoi ça? Il y a un truc. Pardon. Il y avait un truc là. Hein. Il y a un truc là. Quoi, ça vient de disparaître? C'est très bizarre. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je suis un monstre. C'est moi, Hughes. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution, madame Diable. Ah oui, d'accord. Ça, c'est à l'amiable, ça? Enculé, va! T'apprends à me tirer dessus, moi! Ok. On n'a pas la même notion d'à l'amiable, mais pourquoi pas? Y'a un
un problème là, ça se brouille les gars. Alien des caméras. Là on va droit à la catastrophe. Ça va mon ref? Je le fouille. Il n'en voudra pas. Ok. Impression qu'on a beaucoup trop d'ennemis ici. Image de la caméra. Une idée. D'accord. Je viens seulement de comprendre le système de routage. On est bon. Ça marche bien. Ok. Bon. Ouh. Des informations de la compagnie à caractère sensible ont été détectées automatiquement dans un message de Sébastopol. Envoyé récemment depuis ce terminal, cet événement a été enregistré par Apollo. Si vous avez davantage de questions... Ok... Les yeux d'Apollo. Riggs, vous travaillez toujours à Sixon Communication? Si ça se passe bien... Ok... 651. Retenez le numéro 651, son nom est Daniel 651. C'est soit son matricule, soit un code qui peut nous servir plus tard. Fichier corrompu... Ah ah ah. Ok, retenez 651 le chat, je vous fais confiance. Mm-hmm. Et là, on n'a rien. Très bien. Je suis moyennement serein quant à ce qui va se passer très prochainement. En plus, il y, y a notre ami à l'amiable. Bah, il est là. Il va me démonter la gueule. Ah, ok, ça, c'est ce qu'on a des actes. Les gars. Je veux vous aider. Les gars. Oh, oh. Foutez-moi la paix. Dans ta gueule. Quoi? Ceci est une violation de la Ça a la tête dure. Un homme mort. Même si je suis femme. Aïe. Ouf. Flugy. Respecte les femmes. Aïe. Ceci est une violation de l'intégrité qui ne sera aucun cas toléré. Ouais, c'est trop frère. Yes. Il y a moyen qu'ils soient invulnérables. Hein. Ouf. Ouais, bah ça va, c'est donnant, donnant. Oh non. J'ai une femme morte. Aïe. C'est pas vrai. Aïe. Femme battue. C'est terrible. Mais c'est pas vrai. Ok. Bon. Ils sont sur Rhinoshield, hein, c'est sûr. Donc depuis que quelqu'un les a énervés, je vais prendre mon matricule là, je vais en prendre plein la gueule. C'est terrible. Donc on va falloir les esquiver, très bien. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire ce qu'il y a à faire. Hein. L'avantage c'est qu'entre guillemets je connais. L'alien il peut démonter tout ça ou il s'en bat les couilles le xénomorphe. Ok, là je peux me cacher, très bien. Ok. Bon, en vrai, hop, on va mettre ça, c'est ce qu'on va essayer. Hein. Mémoire, il n'y avait rien ici. Et ça, c'était nouveau, ça venait de sortir. Ok. Ça, on ne sait jamais. Vous êtes actuellement dans une zone interdite. Faites demi-tour.
Ok. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Il y a forcément un autre chemin. Oh putain, je vais devoir faire diversion avec ça sûrement, non, en vrai. Là, je fabrique tout ce que je peux. Bah les couilles. M'en bats les couilles. On dirait qu'il y a un mec, il a lâché une caisse, frérot. Ça t'a entendu comme moi, quoi. C'est l'alien, ça, c'est le xénomorphe, il a mangé mexicain. Moi, je fabrique en boudin, un APT. Hein. Au moins, c'est faire. Hop. Nickel. Ouais, vous avez entendu comment, on est d'accord. C'était pas moi, les gars. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Oh putain, ça c'est terrible. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va essayer de se canaliser. Bon, là va y avoir un mort, on sait. Le fameux à l'amiable. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi. Le fameux à l'amiable. Établissent les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Oh, reculez, je vous préviens. Allons. Trouvons une solution à l'amiable. Putain, faut pas leur tirer dessus. Pas déconner, hein. Donc ils sont invulnérables. Hop, hop, voilà, voilà, c'est terminé. Hein. Bon, ça va, il a dit bonne journée en vrai. Est-ce qu'on peut lui pardonner totalement? Il aurait pas dit bonne journée? Bon, à la limite, il aurait vraiment voulu être poli, c'était bonne journée monsieur. Mais bon, en 2021, on veut pas de problème. Ça va être compliqué cette histoire encore. Oh là là. Terrible, hein. Terrible. Ça va, Bibiche? Ouais, je sais, t'as pris ta part. J'ai été le premier à le voir. Bon. Ok. Ah, mais je pourrais me cacher ici. Ok, on y va. Très bien. Reconnais, ok, j'essaye de pirater Apollo, ça on a déjà lu, ça dégage. Bon, on peut se planquer ici. Je dois être le seul mec. Oh shit. Je dois être le seul mec au monde qui utilise ça pour se pencher et tout dans Alien. Hein. J'ai peur. Je peux lui briser la nuque? Non, il me fait peur, lui. Non, il me fait peur. Lui, il me fait peur. Je suis pas serein. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Je crois qu'il n'y a rien à faire, si? Ok. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici.
pas à me demander des renseignements. Je suis un homme mort. Venez avec moi, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune raison de l'avoir peur. Ouais, frérot, Non. C'est stylé de ouf, hein. Je dois vous parler. Seriez-vous en train de me jouer des tours? Parti. Quel sans-gêne. Un peu moins de discrétion quand tu ouvres une porte, Bibiche. Là. Là, le doute m'habite. Ok. Allez. Il va se passer un bail là, non? Les ascenseurs, je les connais dans les jeux d'horreur, les gars. Hein, je les connais, les gars. Ça va, c'est clean. C'est un bon ascenseur. Direction les coms. Ok. Bon. On est pas mal. Attends, parce que je déteste les ascenseurs où ça peut s'ouvrir de tous les côtés, frérot. Centrale de communication. Accès réservé aux employés de Sixon. Oh, une save. Contactez Verlaine et Torrance. Attendez, on va save. On va save. Ok. Ils me veulent rien, là, les robots, là. Ils savent pas, ici, que j'ai démonté... Enfin, qu'un mec a démonté leur... On est d'accord. C'est beau. C'est beau. Lorsque vous, on n'aura jamais la suite. Oh putain, si, ils sont énervés. Oh putain, si. Oh putain, si, ça. En fait, pour plus voir flou. Oh là 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 là. Et ils ont pensé à tout. Eh, mais attendez. C'est quel studio qui a fait ce jeu là? Non, mais en vrai, pour un jeu de 2014, c'est du putain de génie. Choqué. GG les gars. Ils ont putain de pensé à tout. Ok. Ok, go. Très très fort. Et ils ont prévu une suite là, les gars? Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrance. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ok. Ici Verlaine du Torrance. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ah putain, c'est les messages de mon vaisseau. Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave.
Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez ? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Ok. Ok, 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 ok. C'est donc... et là, je peux rien faire. C'est donc les messages qui ont été envoyés après l'explosion, si vous avez bien suivi jusqu'ici. Ok. On est pas mal. On va continuer jusqu'ici. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super. Il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Ok. Désactive-toi. Très bien. Attendez. J'ai un doute. Très bien. On est bon. Eh ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, les amis. On va pouvoir s'arrêter là pour l'épisode 4. N'oubliez pas YouTube, le j'aime et le commentaire. On fait une petite pause et on est parti pour l'épisode 5, évidemment, qui arrive tout de suite en live et dans 2 jours chez vous, YouTube. Allez, petite pause, c'est un petit épisode là. Mais non, ça fait 30 minutes, le chat, vous plaignez pas. De toute façon, on est reparti, le chat. Allez, à très vite, YouTube.